respecte-moi, modérateur, et te calme, ma respectée. À moi, et tu sais. The artwork that I create generally is non-representational. It's purely sensual. Le musée MIMA a ouvert ses portes au public aujourd'hui. L'espace met en valeur les cultures du 21e siècle à travers l'art, version 2.0. Je pense qu'on peut tout simplement se laisser aller, se laisser prendre, comme je vous dis, parce que chacun a sa culture. Et c'est vrai qu'en fonction de sa culture, chacun aura une lecture différente. Millennium Iconoclast Museum of Art. Ja, het MIMA bestaat 5 jaar. MIMA staat voor Millennium Iconoclast Museum of Art. Het is gevestigd in Molenbeek in de voormalige brouwerij Bellevue. En exact op de openingsdag vonden de aanslagen in Zaventem en Maalbeek plaats. Het project leek dus gedoemd om te mislukken, maar de oprichters vonden de veerkracht om door te gaan. En kijk, zelfs in tijden van corona is het museum springlevend. Corona of niet, in het MIMA loopt een tentoonstelling van de Spaanse kunstenaar Félix Luc Sánchez. Op het wrak van een auto graveert een computergestuurde machine tekeningen uit een handleiding. Of uit een ramp toch nog iets moois maken. Het lijkt wel het motto van het museum. Er was al snel internationale aandacht voor het MIMA, maar vonden naast buitenlandse toeristen ook de mensen uit Brussel en Molenbeek hun weg naar hedendaagse kunst? Plus en plus, en tout cas, on a toutes les associations qui viennent au musée. On a les différentes écoles du quartier qui viennent. Et de plus en plus, les habitants de Molenbeek viennent. On a des actions avec eux. Donc oui, je répondrai oui à la question. On l'appelle la chapelle. Et c'est en montant toutes ces échelles et en arrivant dans cette pièce-ci qu'on s'est dit, ok, bon, on est peut-être débile avec ce projet, mais en attendant, on ne peut pas passer à côté d'un bâtiment comme celui-ci. Donc c'est un peu grâce à cette salle que le musée existe. En y réfléchissant, je me suis dit qu'il n'y avait que ce musée-là, parce que c'est de l'art populaire, c'est de l'art graphique. Obsessions, a great space to spend time with your family. Des images à partir d'autres images pour en faire mes propres images. Bon alors quoi? Beaucoup de parents nous disent c'est nos enfants qui nous ont ramenés au musée. Et ça, c'est une de nos grandes victoires. Ça veut dire que des parents nous disent, ben, y a mon fils, ma fille qui m'a dit, ah, ce week-end, on va au MIMA. Et ça, c'est pour nous la plus grande des victoires.
Les humains ne sont que des bêtes, en fait. Coup de projecteur à présent sur un musée hors norme, mais il a redonné des couleurs à Bruxelles. En effet, il ouvrait à Molenbeek en 2016, en pleine période post-attentat. Le MIMA fête cette année ses 2 ans d'existence à l'occasion d'une exposition sur mai 68. Benoît Mariage revient sur la courte histoire de ce musée, symbole du renouveau. Vraiment, la scénographie nous invite à rentrer dans l'univers de chaque artiste, dans son univers personnel. Once again, MIMA surprises us. Enter into the exhibition Verisimilitude and discover the artists Felix Luque Sanchez in collaboration with Damien Journey and Inigo Bilbao Lopetegui. Un décalage sur notre réalité, un regard particulier, parfois dérangeant sur notre réalité, avec un rapport au matérialisme aussi. C'est qu'on touche le public qu'on souhaitait, à savoir un public large, fait de grands-parents, d'enfants, d'aficionados et de gens qui s'initient pour la première fois à l'art contemporain. Il y a 2 expositions temporaires par an et une collection permanente à savourer pour le plus grand plaisir des yeux.